TV16 aujourd'hui en direct de l'Alparena pour vous proposer un retour à l'image sur la Coupe régionale de patinage artistique. Nos équipes vous proposent également de revivre quelques-uns des meilleurs passages de l'Axel Gap. C'est à retrouver sur le www.tv16.fr. Bonjour, je m'appelle Maureen Lebelec, j'ai 14 ans et je fais partie de l'Axel Gap depuis que j'ai 4 ans. Aujourd'hui, je vais faire une compétition régionale pour pouvoir participer au championnat de ligue à Nice en fin de saison. Et je me suis inscrite au club élite il n'y a pas très longtemps pour voilà et là la compétition va bientôt commencer. C'est vrai que c'est pas toujours très rassurant au début. Pas vraiment. Enfin, on peut en rencontrer, mais plus dans les catégories au-dessus. Et dans notre catégorie, c'est plus ludique. Enfin, c'est quand même une bonne compétition, mais c'est beaucoup moins stressant que ceux qui sont vraiment en haute catégorie. Oui, pas mal d'appréhension. Je pense que c'est l'envie de bien faire parce qu'on a toujours cette petite pression qui dit qu'on peut y arriver et qu'il faut se lancer et voilà. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ce week-end a eu lieu la compétition régionale qui se déroule une fois par an. Donc la particularité cette année, c'est qu'on a pu présenter des adultes en ayant créé une session adulte en septembre. Ça a bien avancé, ils sont motivés et du coup on a présenté des adultes. Ça a été quelque chose d'assez sympa, c'est toujours quelque chose de particulier les adultes. Tout à fait, sur une compétition régionale, il y a à la fin le trophée des clubs. Donc cette année, il y a eu 6 clubs qui étaient présents à la compétition et nous avons fini premier. Donc en présentant malgré tout des débutants, on a terminé sur la première marche du podium. Donc oui, content, on l'a été. En plus, les compétiteurs ont été satisfaits. Ça a été un moment très très agréable. La Coupe régionale à Gap, en fait, ça touche la majorité de nos patineurs. Donc c'est une compétition qui se déroule tous les ans et que l'on maintiendra de toute façon. Parce que c'est vrai que sur le niveau national, on a 5-6 patineurs qui se déplacent. Départemental, c'est pareil, il y a beaucoup moins de patineurs. Alors que sur la régionale, ça touche la majorité du club. Cette année, on a présenté 48 compétiteurs de Gap. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on peut faire plaisir à la majorité de nos licenciés.